Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, c'est l'ambition affichée du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Être un État moderne, respectueux de l'indépendance, de la justice, qui lutterait contre l'impunité et assurerait la promotion du mérite et de la compétence, la résolution de la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Cet engagement du président a retenti comme une lueur d'espoir. Pour orchestrer les actions du gouvernement, ainsi comme pour joindre l'acte à la parole, le président Alassane Ouattara crée un ministère dédié aux jeunes, ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Au titre des actions menées par ce ministère, nous avons l'adoption de la politique nationale de la jeunesse, PNJ, 2016-2020 et les 5 stratégies afférentes qui définissent l'action du gouvernement envers les jeunes. L'agence emploi jeune, le guichet unique de l'emploi, traduit au quotidien l'engagement fort du chef de l'État d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des jeunes dont les principales tâches sont l'emploi et l'autonomisation, ce à travers des programmes conçus tels que les programmes d'aide à l'embauche, le programme national de stage jeune, les formations complémentaires qualifiantes, les programmes d'apprentissage avec l'appui des partenaires techniques et financiers, les programmes de type TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, entrepreneuriat et activités génératrices de revenus, AGR, et l'opération spéciale Agir pour les jeunes pour le financement d'activités sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes un groupe de 3 personnes. Nous avons reçu un financement de 500 000 qui aujourd'hui nous a permis de vraiment satisfaire les besoins de notre clientèle. Grâce à ce financement de 300 000 francs, j'ai pu acheter un congélateur de grande capacité. J'ai reçu la somme de 400 000 francs pour le financement de mon projet. C'est un service traiteur où nous faisons la location de nappes, de couverts, de tréteaux pour toutes sortes de cérémonies. J'ai suivi une formation de secrétariat. Et après la formation, je suis restée 3 ans parce que je ne gagnais pas du travail. Et j'ai appris comme ça que l'État donnait une opportunité à la jeunesse de se reconvertir dans les activités, dans des travaux. Et c'est en cela que je suis arrivée à Azaïe pour m'inscrire. Vous pouvez suivre aussi la formation de contrôleur travaux bâtiments. Je suis boulanger, j'ai appris le métier sur l'État. L'État m'a accompagné et m'a financé parce que je voulais avoir ma propre boulangerie. Aujourd'hui, j'ai ma propre boulangerie et j'emploie 22 personnes. Nous sommes tous des étudiants, nous avons fait différentes formations et nous voulons le mettre en pratique dans l'agriculture. Et nous avons perçu à l'agence emploi jeune un prêt de 700 000 qui est progressif pour un total de 2 100 000. Et ce prêt va nous permettre d'agrandir les cultures au sol que nous faisons, de pouvoir concevoir des substrats sur les autres sites que nous avons au nombre de 4. Des milliers de jeunes ont déjà bénéficié de ce programme. C'est une œuvre importante à laquelle le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, attache du prix. L'accès à un travail productif qui assure un revenu convenable est le moyen le plus sûr pour redonner espoir aux jeunes en quête d'une autonomisation durable.